Inner, du 14 février 1978. 14 février 1978. Voilà. Il y a quelque chose que je me suis demandé et que j'ai fait mes efforts pour résoudre. Quelque chose qui consiste en ceci. Peut-être qu'on entend quand même. Supposons quelque chose qui se présente comme ceci. Ah. En d'autres termes, il comporte une double boucle. On est capable, avec ça, c'est-à-dire avec cette amorce, de faire un nœud borroméen à trois. Vous voyez bien qu'ici, les deux cercles qui se trouvent être quelque chose comme ça, sont des cercles vus en perspective, les deux cercles se nouent. C'est une idée qui m'est venue je n'étais pas sûr que ça ferait un nœud borroméen. Mais enfin, je l'ai parié. Et ça s'est trouvé exact. Pour ici. Vous mettiez un peu de bonne volonté.
voilà comment ça soupire. J'ai mis ça à l'épreuve. Avec le nommé souris. Pour l'instant, je fréquente. Je le fréquente parce que il me dit des choses sensées sur le sujet de ces nœuds borroméens. Néanmoins, je ne peux pas dire qu'il ne me donne pas de tintouin. Je veux dire que pour ce nœud borroméen, je voulais à tout prix le faire à quatre. Il y en avait déjà deux. Pourquoi le faire à quatre? Ceci d'autant plus qu'à deux, il ne tient pas. À quatre, me semble-t-il, il ne tiendrait pas plus. À savoir que il se dénouerait assurément. À moins de le faire circulaire. J'ai déjà parlé de cette chaîne borroméenne circulaire. Elle suppose quelque chose qui, comment on dit, raboute le début au commencement, est-ce quelque chose qui peut être que le rond qui la termine et du même coup l'inaugure. Ce nœud borroméen, celui qui s'ébauche, comme je viens de dire, n'est pas circulaire. Plus exactement, il n'est circulaire qu'à trois.
à 3. Condition de faire passer dessous l'inférieur. Dessous. Supérieur. Nous obtenons un nœud borméen typique, c'est-à-dire celui-ci. Comme ceci. Il est tout à fait clair qu'à ce nœud borméen, je ne suis pas encore habitué. Diable, l'ai-je introduit? Je l'ai introduit parce qu'il me semblait que ça avait quelque chose à faire avec la clinique. Je veux dire que le trio de l'imaginaire, du symbolique et du réel me paraissait avoir un sens. Le fait est certain. Quelque chose qui se goupille comme ceci. C'est-à-dire qui est le troisième. Eh bien, ça se noue. Ça n'est pas évident sur la figure qui est là. Mais si on mettait
la chose que j'ai ajoutée en noir. Dit en tête, je veux dire ici, on verrait que ces deux noirs peuvent s'identifier. Je vais tâcher de vous le montrer à l'aide d'un dessin supplémentaire. C'est à peu près ça. Oui. C'est à peu près ça à condition de compléter comme ceci.
bien évident que je suis extrêmement maladroit pour me retrouver dans ce dessin. Il y a une autre façon de le faire. C'est celle que je dois à souris. Et qui se présente à peu près comme ceci. Façon de le faire, c'est la suivante. Ce qui se complète, par le destin suivant.
comme il a pas envie de se mettre au pied. Bien évidemment, n'est pas très clair. Sachez qu'il est concevable de mettre ici le troisième dessin. Je veux dire le dessin noir. Peut-être ce qui, incontestablement, se dénoue. Tel que c'est présenté ici. Peut-être arriverez-vous à reconstituer ceci qu'il se noue.
peut dire que il y a un nœud borroméen à 3 qui se constitue du raboutage je veux dire du fait que ça se clôt exactement comme dans ce que je vous ai montré là, improprement, du fait que ça se clôt exactement comme dans le cas du nœud borroméen simple. Voilà. Je m'excuse de n'avoir pas pu mieux préparer cette leçon. Je tâcherai la prochaine fois de vous faire distribuer quelques dessins un peu plus clairs. Voilà, je vous quitte là aujourd'hui. Bon, ben moi je ne regrette pas parce que je n'ai pas de très bien. Je vous remercie. C'est ça que vous avez dit. Vous avez utilisé directement. Hein? Alors, utilisez-moi directement, vous avez fait.